L'école maternelle Les Anges de la commune de Guibéroua vient de bénéficier des faveurs de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a vu ses locaux rénovés, notamment la construction de la clôture et la peinture. Cette école de 95 enfants comprend la petite, la moyenne et la grande section. Elle a reçu 20 nattes, 4 toboggans, 4 balançoires et 50 chaises comme don d'équipement. Pour enseignants et élèves, la joie est à son comble. J'ai dit merci. Mais je vois sur le toboggan. Une joie indescriptible qui m'anime. Aujourd'hui, je suis comblé de joie. J'ai dit grand merci au donateur. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Guibéroua, Baba Ake, a saisi l'occasion pour lancer un cri de cœur à tous pour que l'école soit sauvée dans cette localité. Mon seul plus ardent est que les cadres et les opérateurs économiques de Guibéroua suivent son exemple. Parce que l'école est dans une situation catastrophique. À Guibéroua-Ville, cette école primaire qui vivent dans 3 écoles. 120 élèves par classe. Quant à Colette Pelot-Lapé, la présidente de l'ONG Vivre Bien, elle a exhorté les populations à l'aider à prendre soin de la petite enfance. Ce sont mes petits-enfants. Ce sont les petits-enfants de Mme Ouattara. Tant qu'on sera là, on fera ce qu'on peut pour aider tous ces enfants et tous ceux qui ont besoin d'être aidés. C'est notre but. L'école maternelle Les Anges de Guibéroua existe depuis 1997. Merci, merci.